Laetitia Hallyday rayonne de bonheur. Avec ses deux filles, Jade et Joy, elle profite d'une parenthèse au soleil pour fêter la fin d'année 2019. Quelques semaines après officialiser sa relation avec Pascal Balan, CIST avec lui et ses enfants respectifs qu'elle a passé Noël au Maroc. Toute la petite tribu s'est exilée pour se retrouver loin du conflit qui oppose la veuve de Johnny Hallyday à David Hallyday et Laura Smet. Marie Poniatowski, celle que Laetitia Hallyday considère comme sa sœur de cœur, fait également partie du voyage. Tous ensemble, ils profitent des paysages somptueux que leur offrent les déserts de Marrakech. La meilleure amie de la maman de Jade et Joy a posté une photo sur son compte Instagram, où tout le groupe est souriant. Un cliché qui est à l'opposé de la polémique actuelle qui touche Laetitia Hallyday, suite à un courrier alarmiste de son avocat, Megill Goé. Ce dernier lui a fait savoir que le cercueil de Johnny Hallyday était menacé par des crabes de terre et le sable. Il recommande alors que la dépouille du chanteur soit transférée dans le caveau familial construit par Laetitia Hallyday. Une décision qui a particulièrement attristé Laura Smet qui ne supporte plus d'être mise au courant de ces informations par la presse. Laetitia Hallyday et Pascal Balan plus proches que jamais, mais la principale intéressée semble très loin de ces conflits. Elle profite dans les bras de son nouveau compagnon. Pascal Balan a lui aussi partagé une photo où il tient par la taille sa bien-aimée. Ils sont ensuite partis en balade à dos de dromadaire. De son côté, Jade Hallyday, l'aînée du couple formé par Johnny et Laetitia Hallyday, semble s'être bien acclimatée à son lieu de vacances. Elle cesse de laisser aller à un shooting photo. Les deux filles de Laetitia Hallyday semblent vraiment apprécier le nouveau compagnon de leur maman.